Aux écuries de Los Angoël, on peut monter à poney, s'occuper des chevaux ou bien encore faire de la voltige. Cette activité est proposée depuis 2 ans ici. Les séances commencent toujours par une bonne dose d'échauffement au sol ou sur cheval d'arçon. Là, elle s'entraîne à lever au maximum à la jambe pour déjà éviter de fatiguer le cheval. On optimise l'énergie du cheval. Une fois qu'on est prêt sur le cheval d'arçon, on l'exécute sur le cheval au pas, au trot et au galop. Les cavalières sont chaussées de ballerines et le cheval ou le poney est équipé d'un surfait. La voltige demande de maîtriser à toutes les allures des figures parfois impressionnantes. Quelques compétences en gymnastique sont requises, mais ce n'est pas tout. Déjà, de monter, avoir l'impulsion nécessaire pour monter, d'avoir une bonne prise sur les poignets du surfait et d'être suffisamment musclé et entraîné pour ensuite que ça devienne joli, une montée jolie. Un grand entraînement en observation attend les filles au mois de mars avant un premier concours en juin. Le responsable du centre a été convaincu par la mise en place de cette discipline. L'idée, c'était de se lancer, de dire pourquoi pas. On a commencé, on avait le bon poney, les bons cavaliers qui étaient vraiment dans la demande, qui s'intéressent principalement au spectacle et pourquoi pas poursuivre dans la compétition. Si ça les intéresse, nous, on va essayer. Ouais, là, on va essayer d'aller voir un petit peu des petites compètes qui ont lieu dans les alentours. Si on voit que ça leur plaît, pas de souci, on fera. Les jeunes pratiquantes doivent rester vigilantes et tenir l'équilibre sur le cheval, un exercice difficile qu'elles sont loin de redouter. Il faut avoir confiance au cheval et avoir confiance en nous. Et que aussi, si on a peur des chevaux, vaut mieux pas. Bon, après, c'est comme tous les sports, si on a peur, on n'avance pas. Donc, faut pas avoir peur et puis faut pas se poser de questions. Et Bounty, que pense-t-il de la voltige? Là, il dit que la voltige, c'est sa discipline préférée. Il adore ça. Alors, si vous êtes intéressé par ce sport, rendez-vous aux écuries de la Goëlle tous les mercredis de 18h à 19h.